Bonjour tout le monde. Pardon, je m'éclaircis tout de suite la voix, ça sera fait. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ah super, je vois qu'il y a déjà plein de monde. Bienvenue, bienvenue. Il y a probablement des noms que je vais rater, j'en suis désolée par avance. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Coucou Fabienne. Ah, du coup, Fabienne Henrique, je suis sincèrement désolée pour toi, mais en tout cas, je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ne t'en fais pas, tout ira bien, j'en suis certaine. Coucou ma Fabienne, coucou Jocelyne, hello Gaëlle, coucou Sandrine, coucou ma Clem. Coucou Christelle, Patricia, Nathalie, Maretine, Marianne, Monique, Martine, Jacqueline, Martine, Fabienne, Fatou, Mumu. Je vais pas avoir la possibilité de saluer tout le monde du coup, mais en tout cas, merci d'être là. Bonjour, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas retrouvé en live. Coucou Noël, coucou Laurence, coucou Laetitia, hello Sandrine, coucou Fabienne. Bienvenue, bienvenue tout le monde. Nous sommes donc le 5 janvier et je vais d'abord commencer une chose la plus importante, c'est vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2022. Vraiment qu'elle vous apporte à tous plein de belles choses. On s'accroche, on y croit, on reste positif et surtout on profite des petits moments de bonheur qu'on peut avoir. Eh bien, j'ai envie de vous dire, comme aujourd'hui, non? Pourquoi pas? Un petit moment, juste entre nous, pour le plaisir, pour l'amour du scrap, pour l'amour de nos chers produits Stampin' Up, et puis le moment agréable de se retrouver et d'être vraiment tous ensemble, juste pour en profiter. Donc ça, c'est l'idéal. Je vais juste remonter ça. Hop, voilà. Bonjour Cathy. Alors, j'ai encore plus. Si, ça y est, je vois qu'il y a plein de nouvelles personnes. Alexoscrap, coucou Fabienne, bonjour Cathy, Maddy. Coucou ma Clem, merci ma chérie. Bonjour Marie-Vonne, bonne année à vous. Coucou Maryse, bonjour Aline. Je vois qu'il y a plein plein de monde qui rejoignent le live pour la première fois. Alors surtout, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, que je sache que vous me retrouvez pour la première fois. Et puis j'espère que vous passerez un bon moment. Donc pour celles et ceux pardon, qui ont l'habitude de me suivre chaque semaine, vous le savez, normalement, le mercredi après-midi à 14h, c'est réservé pour un live créatif. Eh bien, j'ai décidé qu'aujourd'hui, pour ce premier live de l'année, on se retrouverait le même jour à la même heure, mais cette fois pour un live portes ouvertes virtuel. Coucou Delphine, bonjour Christine, bienvenue. Coucou Muriel, bonne année à toi aussi. Très très bonne année à toutes et à tous. Alors, je suis un petit peu en décalé par rapport à mes commentaires, mais normalement, on devrait y arriver. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter. Coucou Anne-Lise, oui, premier live, bienvenue, j'espère que tu t'y plairas. Bonjour Marcel, une première fois pour vous aussi. Bah écoutez, je suis ravie de vous accueillir ici et j'espère que vous passerez un beau moment. En tout cas, installez-vous. Aujourd'hui, vous n'avez pratiquement rien à faire. Juste ouvrir vos yeux, vos oreilles et en profiter. Juste prendre du plaisir. Donc, pas compliqué, profitez-en. Même si vous pouvez vous mettre sur une petite terrasse par exemple ou dans votre jardin. Et moi, il fait beau aujourd'hui, un peu frisquet, mais on peut profiter un petit peu du soleil. Bref, installez-vous tranquillement et c'est tout. Coucou Véronique, comment ça va? Hello Karine, coucou Evelyne. Hello l'autre Karine, coucou Muriel. Donc je suis Harmonie Marais, je suis démonstratrice pour Stampin' Up depuis 2 ans. J'ai fêté les 2 ans il y a 2 jours, le 3 janvier. Voilà, j'ai rejoint cette incroyable aventure durant la Celebration. C'est un mot que vous allez m'entendre répéter plusieurs fois pendant ces portes ouvertes, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Voilà, 2 ans d'incroyable aventure, de rencontres hallucinantes,
à tout point de vue, que ce soit sur le plan professionnel avec mes collègues ou voilà, sur le plan du partage du scrap avec la communauté qui s'est créée autour de ça. Des gens incroyables, des gens qui sont devenus des amis, je peux le dire. Voilà, je voyais, tout va bien. Que dire de plus? Merci beaucoup Brigitte, merci ma Sandrine. Coucou Brigitte Sittes, je suis ravie de vous accueillir. Coucou ma Camille, grand soleil chez toi aussi, moi c'est super. C'est super. Donc, quel est le programme aujourd'hui? Vous allez voir, c'est très simple. Je vais tout simplement vous présenter des produits du mini catalogue et de la brochure Celebration, accompagné bien sûr de créations que je vous ai préparées, évidemment. Alors, vous vous en doutez, il est humainement impossible, en tout cas pas pour moi, de vous présenter l'intégralité des produits du mini catalogue. Voilà, hein, il faut savoir être raisonnable et je suis sûre que vous serez d'accord avec moi. Cependant, j'ai choisi des produits qui me plaisaient, que j'avais envie de partager avec vous, que j'avais envie de travailler, pour lesquels j'ai pris plaisir à faire des créations, voilà, sans se forcer, juste pour le plaisir. Donc j'ai à côté de moi quand même un joli panel de produits et de créations à vous proposer. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Le simple but est de vous les faire découvrir, mais aussi bien sûr de vous inspirer. Voilà, de vous aider à vous projeter pour vos achats futurs, d'avoir une idée de ce que vous pouvez faire avec les sets de tampons que vous allez découvrir en feuilletant votre catalogue, ou les poinçons, ou que sais-je encore, les perforatrices. Voilà, vous donner des petites idées pour après pouvoir faire vos choix avec plus de tranquillité et d'inspiration. Merci Brigitte, c'est trop gentil. Il faut savoir savourer les petites pépites distillées par surprise. Oh, mais merci beaucoup. Merci ma Laurence. Coucou Marcel. Oui, moi aussi, je suis ravie de te revoir. Ça faisait un petit moment que je t'avais pas vue sur les lives. Coucou Karine. Alors, à l'occasion de cette porte ouverte virtuelle. Je dis première puisque vous l'avez peut-être aperçu il y a quelques semaines. Une seconde aura lieu début février. Voilà, on y va tranquille, bien sûr. Entre-temps, vous le savez, on va se retrouver chaque semaine hein, pour les lives, par exemple, ou pour différentes publications. Bref, on n'est pas sans se revoir. Bien sûr, vous le savez, d'abord, vous me manquerez trop, donc je ne pourrai pas m'en passer. Voilà. Pour cette première porte ouverte, je vous propose... Merci Daniel, à vous aussi, meilleurs vœux. Commande déjà passée ce matin avec le code hôtesse. Oui, Brigitte, j'ai vu effectivement. Et d'ailleurs, je t'en remercie sincèrement. Je vous propose donc un jeu tout au long de cette porte ouverte. Attention, écoutez-moi bien. Nous allons faire, je vais vous proposer une chasse au trésor. Pour cela, vous allez avoir besoin de votre mini catalogue et de votre brochure Celebration. Attention, pas de panique. Les personnes qui sont déjà mes clientes ou bien qui m'avaient fait la demande au travers du formulaire. Vous avez votre catalogue avec vous, il n'y a pas de souci. Pour les personnes qui, par exemple, ne sont pas encore mes clientes ou qui n'ont pas encore de démonstratrice, bien sûr, attention, c'est important. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez vous aussi participer à cette chasse au trésor pour deux raisons. La première est simplement que ce live sera disponible en replay sur ma page Facebook ainsi que sur ma chaîne YouTube. Donc vous allez avoir bien sûr quelques jours pour pouvoir visionner à nouveau cette vidéo autant que vous le voudrez. Et la deuxième raison, c'est que bien sûr la version numérique de ces deux exemplaires, donc du mini catalogue et de la brochure Celebration, sont disponibles sur mon blog. Pour cela, vous allez voir en haut de la vidéo sur Facebook et dans la barre d'infos sur YouTube, je vous ai mis absolument tous les liens dont vous pourriez avoir besoin suite au live d'aujourd'hui. D'accord? Donc je vous ai mis le lien pour vous diriger directement vers les versions numériques du catalogue et de la brochure, mon adresse mail pour m'envoyer les réponses, mais ça je vais vous l'expliquer après, et
toutes les informations dont vous avez besoin pour, par exemple, les actions que j'ai en cours, le mini kit échantillon pour les échantillons de papier, embellissement, ruban, etc. Le nouveau club des anniversaires également. La box mensuelle, le lien vers la boutique. Bref, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut. Donc je répète, soit en haut de la vidéo sur Facebook, soit dans la barre d'infos en bas sur YouTube. Cette fameuse chasse au trésor, elle va se dérouler en plusieurs étapes. Tout au long donc de ce live, à peu près toutes les 20 minutes. D'ailleurs, je me suis mis un petit bip, vous ne vous inquiéterez pas. Ça sera pour me rappeler qu'il faut que je vous pose les fameuses questions. Je vais vous poser 10 questions pendant les portes ouvertes, pendant ce live. Et il vous faudra m'envoyer vos 10 réponses par mail. Ok? Donc comme d'habitude, harmoniescrap@harmoniescrap.fr. Encore une fois, hein, je vous ai remis l'adresse avec les liens. Vous m'envoyez vos 10 réponses par mail. Attention, je ne veux pas de réponses dans les commentaires. Pas de triche, il faut que chacun et chacune ait le temps de feuilleter son catalogue, etc. Donc on ne triche pas, on note les petites questions ou ses réponses, peu importe, et on me les envoie ensuite par mail. Et encore une fois, pour vous laisser suffisamment de temps, pour celles qui, et ceux qui ne pourront pas regarder en direct et qui vont regarder en replay, j'attends vos réponses jusqu'au dimanche 9 janvier 20h pour un tirage au sort le lundi suivant, donc le lundi 10 janvier. Et vous allez me dire, bah oui, un tirage au sort, c'est bien joli, mais il y a peut-être un truc à gagner. Eh bien oui. Le tirage au sort, donc je prendrai bien sûr toutes les bonnes réponses, toutes les personnes qui ont donné les bonnes réponses, je ferai un tirage au sort. Et cette personne recevra le set de tampons, pas des moindres, des sets de tampons Hôtesse Celebration, Calme Camélia. Là, celui-là, regardez, hop, celui-ci. Voilà le set de tampons que je vous offre. Mais pour cela, il faut répondre aux questions. La première devrait arriver, enfin les deux premières devraient arriver d'ici une petite dizaine de minutes. Donc soyez attentifs. Je vous les poserai donc par deux. Voilà. Alors, j'ai raté, je pense, pas mal de commentaires. En replay, Muriel. Oui, bien sûr, pas de souci. Justement, exceptionnellement, il y a un replay. Je fonctionne différemment. Donc, pas de panique. Tout va bien se passer. Coucou Viviane, j'espère que tu vas mieux. Oui, bien sûr, Maretine, tu vas voir que tu vas t'améliorer, ma bichette. Je vous laisse du temps. Vous avez jusque dimanche. Je répéterai les règles au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Par contre, pensez bien à toutes les noter. Merci Cécilia, je suis contente que ça te plaise. Ah, Fabienne aussi, Delphine aussi. Génial. Bon, bah écoutez, je suis ravie de savoir que ce petit cadeau va vous plaire. Du coup, je pense que je vous ai donné toutes les informations concernant cette petite chasse au trésor. On va pouvoir bientôt commencer à découvrir toutes ces petites pépites qui sont dans ce mini catalogue et dans la Celebration. Alors Fabienne, mais bien sûr que si tu peux jouer, si tu vas sur la version numérique du catalogue, bien sûr que tu peux jouer, il n'y a aucun problème, c'est ouvert à tous. Et puis si le catalogue t'intéresse, je peux aussi te l'envoyer à ton adresse. Il suffit de m'envoyer un message privé, bien sûr. Coucou Aurore, comment vas-tu ma belle? Bonne année à toi aussi. Alors, la Celebration, qu'est-ce que c'est? Parce que du coup, vous allez me dire, c'est un mot un petit peu savant. Ah bah oui, c'est vrai Fabienne, exact. Exact, exact. Ça change, bonne idée, je vais parcourir. Je vais pas courir jour après jour avec mon catalogue. Oui, ma routine, tu vas pouvoir prendre le temps de le faire tranquille, ma bichette. La Celebration. La Celebration, c'est une période promotionnelle qui dure du 4 janvier au 28 février. Durant toute cette période, lorsque vous passez des commandes, vous avez des cadeaux qui vous sont offerts
dès 60 euros d'achat et par tranche de 60 euros d'achat. Et cette palette de cadeaux, vous la retrouvez dans la brochure Celebration. Je vais vous en montrer plein aujourd'hui, presque tous, je crois. J'ai dû travailler avec presque tous, il y en a à peu près une dizaine. Donc vous allez pouvoir les découvrir un peu plus en détail. Mais il n'y a pas que ces fameux cadeaux pendant la Celebration. Lorsque vous allez rejoindre mon équipe, vous allez pouvoir faire une économie jusqu'à 107 euros. Comment ça? Non, non, je ne suis pas folle, je vous assure. Regardez, je vous montre. Hop. Donc, pendant ces 2 mois, lorsque vous rejoignez mon équipe, qui s'appelle d'ailleurs, pour la petite info, la team Harmony Scrap, Stampin' Up vous offre 2 sets de tampons au choix dans les catalogues en vigueur. Donc, l'exemple que vous voyez à l'image, c'est 2 sets de tampons d'une valeur respective de 30 et 31 euros. Votre kit de démarrage à la base, vous choisissez pour 175 euros de produit, vous n'en payez que 129. Plus, par exemple, ces 2 sets de tampons, eh bien, au final, vous faites une économie de 107 euros. Alors, j'ai envie de vous dire, quelles sont les personnes parmi vous qui viennent rejoindre mon équipe, là? Allez, on y va? Vous me rejoignez? Moi, je vous attends, hein, il n'y a pas de problème. Donc voilà, cette promo, elle est jusqu'au 28 février. Elle en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Elle est incroyable. J'ai envie de vous dire, voilà, faites vos choix dans le mini catalogue, mais aussi dans l'annuel, hein, bien sûr. Vous pouvez choisir votre kit de démarrage dans les 2 catalogues en vigueur, évidemment. Et puis choisissez vos sets de tampons offerts. Et puis rejoignez-moi. Voilà. Quoi dire de plus? Elle commence très très bien l'année. Je trouve qu'elle commence très très bien. Et puis il n'y a pas de mal à se faire du bien, hein. On est bien d'accord. Ah bah oui, ma Laurence, ça y est, toi t'es déjà ma filleule, enfin, quelle idée! Mais je suis sûre et certaine que parmi celles et ceux qui sont en train de me regarder aujourd'hui, il y en a pour les dans lesquelles l'idée trotte dans la tête depuis un petit moment. Réfléchissez plus, foncez et venez rejoindre mon équipe. Ça marche? Bien, maintenant que vous savez ce qu'est la Celebration, que vous avez les règles du jeu de la chasse au trésor, eh bien, je vous propose de basculer sur le plan de travail et que je vous fasse maintenant découvrir les petites pépites. Vous êtes prêts? On y va? Oui, Sandrine, je sais que bien sûr, toi, tu me rejoins bientôt, qu'après-demain, tu feras aussi partie de l'équipe et j'en suis ravie. J'ai hâte de t'accueillir, ma belle. Moi, tentatrice, Sandrine? Non, pas du tout. Mais enfin, voyons quelle idée. Donc, voici le mini-catalogue que vous avez pour la plupart d'entre vous entre les mains. Coucou, ma Cathy, je te fais plein de bisous, ma choupette. Et voici la brochure Celebration dans laquelle donc vous avez tous les petits cadeaux qui sont disponibles en ce moment. Il y a des pépites, il y a des choses. Donc moi je suis complètement gaga. Coucou Marilène, coucou Nicole. Ah, eh bien, voilà la première petite alarme. Préparez-vous pour les 2 premières questions de la chasse au trésor. Vous êtes prêts? Je cherche ma petite liste de questions qui est là. Alors, vous avez de quoi noter? C'est bon? Vous êtes prêtes? C'est parti pour les 2 premières questions de la chasse au trésor des portes ouvertes virtuelles 2022. Alors, quel set de tampons nous permet de voir le sentiment le meilleur est à venir? Quel set de tampons nous permet de voir le sentiment le meilleur est encore à venir? Voici la première question. Attention, vous ne trichez pas, hein. Pas de réponse en commentaire, hein. Attention. Deuxième question. Nommez les 2 produits du mini-catalogue
qui sont coordonnées à deux produits gratuits de la Celebration. Je répète, nommez les deux produits du mini-catalogue qui sont coordonnés aux deux produits gratuits de la Celebration. Voilà, j'espère que vous avez bien noté les deux premières questions. Il en reste 8 autres qui vont arriver au fur et à mesure. C'est bon pour tout le monde? Allez, je vous les refais une dernière fois. La première question, quel set de tampons nous permet de voir le sentiment « le meilleur est encore à venir » Et la deuxième question, nommez les deux produits du mini-catalogue qui sont coordonnés aux deux produits gratuits de la Celebration. C'est bon? Ok, je mets ça de côté et on se retrouve tout à l'heure pour les deux autres questions, donc la 3 et la 4. Bien, je vais commencer avec. En fait, je me pose la question depuis un moment. Par quoi est-ce que je vais commencer? Eh bien, je vais commencer avec la collection Petits Mots Doux, puisque dans, allez, un tout petit peu plus d'un mois, ça sera la Saint-Valentin. Donc, on va commencer avec celle-ci. C'est parti. Hop, je sors. Tout ce qu'il faut. Voilà. Alors, pour commencer, voici le papier design. Merci, Madrine, t'es trop mignonne. Alors, hop, si je décale ça comme ça, normalement, vous avez tout bien à l'image. On est sur le mini-catalogue, la collection Petits Mots Doux, page 9. Voici le papier design qui est trop mignon. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ont reçu le mini-catalogue de ma part, vous avez reçu avec la petite création que je vous montre tout de suite. Ne bougez pas. Voilà. Les petites sucettes tombaient parfaitement bien avec le papier, n'est-ce pas? Puisque regardez ici, sur le papier design, ce sont des sucettes en forme de cœur. Donc un petit tag tout simple avec du papier fleur de cerisier qui est embossé avec un plioir de gaufrage que je vais vous montrer. Oui, que je vais vous montrer. La petite découpe enveloppe qui fait partie de la collection, bien sûr. Et puis le petit message tout simple. Voilà la petite création que vous avez reçue avec le mini catalogue. Et donc, c'est avec cette collection que j'ai réalisé ce petit cadeau. Ah, coucou Lydie! Oui, c'est vrai, c'est ton premier live. Bah, écoute, bienvenue en tout cas. J'espère que tu vas passer un bon moment. Bon, aujourd'hui, c'est pas un live créatif, hein, mais j'espère que tu passeras un bon moment quand même. Merci Mumu. Merci Christelle. Léa te remercie. Évidemment, la sucette était pour elle. Avec plaisir. Je suis sûre qu'elle s'est régalée. Coucou Marie, comment ça va? Rachel, je vais la manger en regardant le live. Parfait, écoute ma belle. Oui, le papier est assez sympa. Donc, sur la présentation, pour celles qui l'ignorent, je fais les présentations recto verso à chaque fois, d'accord? Et je vous mets aussi les papiers unis coordonnés. Donc, rouge-rouge, pétale rose, tellement safran, grenouille-guillerette, piscine partie et horizon de bruyère. Vraiment, et vraiment très 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 joli, très sympa. Pas trop violent en termes de couleurs flashy, c'est vraiment juste ce qu'il faut, je trouve ça vraiment super. Tu as utilisé quel poinçon pour l'étiquette? Eh bien, tu sais, c'est l'ensemble d'étiquettes, de tags étiquettes, ça a un nom précis que je vais te retrouver dans quelques secondes, qui est, je ne suis pas sûre que ce soit encore dispo. On va te dire ça très vite, ma biche. Un dail des poissons cœur d'amour. Oui, mais Bichette, je pense qu'Elsa demande pour l'étiquette la grande. Alors,
Une collection, vous le savez, elle est toujours accompagnée de tampons et de poinçons ou de perfos. Pour cela, je vous ai fait une petite présentation. Voilà. Alors. Ah, coucou Marianique. Ça va ma belle? Tu tombes à pic. Alors, ici, donc, je vous disais, les tampons et les poinçons coordonnés donc à la collection Petits mots doux. Donc, ici, vous avez toutes les étiquettes, toutes les découpes, parce qu'il n'y a pas que des étiquettes. Ça va, ma biche? La petite fait la sieste, du coup? Donc, ici, vous retrouvez la découpe de l'enveloppe hein, que j'ai utilisée donc, pour la petite sucette. Vous avez des poinçons étiquettes ici et là. Encore une fois, celle-ci, je l'ai utilisée donc, pour le petit merci sur le tag. Ici, encore une étiquette et différentes découpes de cœur, des tailles différentes. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci, ma bichette. Bah, bon courage pour le boulot, du coup. Voilà, donc ça, ce sont les tampons qui sont ici, vous voyez. Mais également, je vous ai tamponné ici tout ce qui existe et il y a les découpes de contours. Et ici, par exemple, on peut coloriser l'intérieur de nos cœurs, comme je l'ai fait ici, là et là. Coucou Isa, ça va? Ici, on retrouve une bande de petits cœurs, donc qui est soudée, sauf les petits cœurs. Vous voyez, j'en ai retiré un exprès pour vous montrer que les petits cœurs s'enlèvent. Si vous le souhaitez, ils sont découpés aussi. Par trois également ici. Voilà, même principe. D'accord? Donc, on a les tampons ici et donc toutes les découpes. Hop! Qui se présente comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait partie de la collection. Mais bien sûr, il y a plein de petites choses en plus à côté. Je vous montre. Nous avons dans cette collection des petites boîtes faciles à monter qui sont un peu boîte d'allumettes, on va dire. Donc vous avez vu, prête à l'emploi, le double face est déjà posé, donc hyper simple. Il y a juste à marquer les plis, hein. Vraiment nickel. Mais on peut aussi s'amuser à faire des découpes. Vous comprenez pas ce que je veux dire? Ne bougez pas, je vais vous montrer. Alors, ces fameuses petites boîtes, voilà, je l'ai transformée dans un premier temps. Donc je me suis contentée de la monter. J'ai créé une petite ouverture facile ici, simplement avec une perfo arrondie. D'accord? Donc je l'ai montée tranquille. Sauf que avant de monter cette boîte, j'ai fait une petite découpe ici. Et du coup, je l'ai transformée en boîte shaker. Voilà. Donc ça peut être très sympa et c'est super rapide à réaliser. Vraiment, trop bien. Et comme c'est pas très grand, vraiment, ça passe dans la machine sans aucun souci. J'en ai créé une seconde. Celle-là, elle est un petit peu plus travaillée. Donc, principe est le même. Sauf que j'ai rajouté, en fait, une partie de papier sur le côté. Donc, on retrouve hein, l'étiquette ici et la découpe cœur. Mais en fait, elle est transformée en boîte carte. J'ouvre ça tout de suite pour vous montrer. Les paillettes et les shakers, tu défailles. Non, non, reste avec moi. Voilà, du coup, un morceau de papier rajouté pour en faire une petite carte. Hop, une découpe donc sur la boîte. Et du coup, alors là, du coup, j'ai rien mis dedans, mais j'aurais pu, hein. Et du coup, ça laisse apparaître l'intérieur de la boîte. Voilà. Alors, est-ce que ça vous plaît?
Est-ce que vous trouvez ça sympa déjà? Donc évidemment, on est avec le papier design de la collection, bien sûr, avec des cristaux du Rhin irisés. Voilà, ils sont très très jolis, vraiment très sympas. Donc ils ressemblent aux cristaux du Rhin argentés qu'on a déjà, hein, sauf que là, ils sont un petit peu irisés avec une pointe de rose dedans, c'est vraiment trop mignon. Donc voilà pour ces petites boîtes. Du coup, là, j'avais aussi gardé les petites découpes de cœur que j'avais rajoutées par-dessus. Merci Jocelyne, merci Fatou. Coucou Isabelle, comment ça va? Donc voilà à peu près ce que l'on peut faire avec ces petites boîtes. Ah, oh, Patricia, ça a l'air de te plaire aussi. Et les cristaux, oui, ils sont vraiment très très beaux. Alors, je vais commencer à me faire un tout petit peu de place parce que je vais vite être encombré, n'est-ce pas? Hop, je vais mettre ça de côté. Voilà. Et je vais maintenant vous montrer quelques petites cartes que j'ai réalisées toujours avec cette même collection. Ouais, ils sont vraiment très très sympas les cristaux irisés. Une carte clean and simple. Vraiment toute simple. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était bien mon style. J'aime bien les cartes. Simple, neutre, vraiment j'aime beaucoup. Donc les découpes de cœur, toutes simples, les petits messages, le papier blanc posé par-dessus avec les dimensionnales pour un petit peu de 3D. Merci Brigitte, très bonne année à toi aussi ma belle. Donc voilà, très très simple, vraiment. Mais voilà, qui fait le boulot en fait. Ensuite, je vais vous montrer deux autres petites cartes, à peu près les mêmes. Les deux vont être à peu près les mêmes, mais avec un thème différent. Je suis sur un anniversaire et sur la Saint-Valentin. Donc toujours pareil, même principe. Donc on a transformé les petits cœurs en sucettes, hein, toujours ce rappel de petite sucette carte. Merci Anne-Lise. Très simple. Vraiment très simple. Vous voyez, avec un joli ruban organza blanc qui donne la petite touche de brillant, hein, parce que sinon ça serait pas drôle. Bon, Drin Drin, je t'embrasse, bon courage, hein, je suis de tout cœur avec toi. Donc, pour un joyeux anniversaire qui fait partie d'un autre set de tampons que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Voilà, donc une carte très simple. Mais que j'aime beaucoup, vraiment. Je l'avais faite aussi en version Noël, je vous l'avais montré il y a quelques jours. Et la version, bien sûr, Saint-Valentin, puisqu'on ne peut pas passer à côté, on est bien d'accord. Toujours le même papier de la même collection. Mais les petits cœurs, là, je les sais. Je vais approcher un petit peu, vous avez vu, ils sont pailletés. Bien sûr, mon adorable Wink of Stella. Celui que j'aime tant. Le pinceau à paillettes. Je pourrais plus m'en passer de celui-ci. Donc voilà, on est dans le même style de carte, sauf que là, on part pour un anniversaire ou pas là pour la Saint-Valentin. Ça prouve bien que c'est vraiment super adaptable. Voilà. Ok. Avec cette collection, on a des produits qui sont un petit peu coordonnés, d'accord? Qu'on peut utiliser de différentes manières et je vais vous les présenter tout de suite. Ah oui, ça c'est le plioir de gaufrage aussi, je vous parlais tout à l'heure. Gaufrage Vichy que j'ai utilisé donc pour l'embossage de ma petite étiquette sucette. Donc plioir à gaufrage Vichy. Il est vraiment très sympa. Donc je vous disais, hop, je vais vous montrer. Il y a un lot. Le lot. Amour et bonheur, dans lequel nous avons des découpes, mais également un plioir de gaufrage qui est incroyablement beau. Alors attendez, bougez pas. Donc si vous voyez bien, on a le cœur au centre que l'on peut découper. Il est juste incroyable. Donc il est carré, hein, et au format 15-15, on a les découpes. Donc comme je vous disais, on peut découper le cœur central du plioir de gaufrage. Des petites étiquettes évidemment qui vont avec. Donc vraiment super sympa.
Donc ça, c'est le lot amour et bonheur qui est dans le mini. Je vais vous montrer tout de suite les cartes que j'ai réalisées avec celui-là. Hop. Alors, j'ai utilisé le papier design, bien sûr, de la collection Petit Mois d'Août. J'ai utilisé le pieur de gaufrage Vichy que je vous ai montré il y a quelques secondes. On peut les gagner, tes cartes, elles sont trop belles. Ben, pas tout de suite, non. J'en ai un petit peu besoin encore. Mais t'es mignonne, merci beaucoup. Et donc ici, on a la découpe donc, de ce fameux cœur avec l'embossage ici. Voilà, que j'ai colorisé avec une brosse à estompe. Voilà, des tons un petit peu plus masculins, on va dire. Donc, piscine partie ici. Voilà, qui est coordonnée avec la collection, bien sûr. Donc, le ruban assorti. On est dans le même principe que la carte de tout à l'heure. Un joli message pour son amoureux. Attendez, hop. C'est toujours ce fichu zoom hein, qui a décidé de me contrarier. Chaque jour de ma vie, je veux le vivre avec toi. Coucou Jean-Luc et Chantal, bonne année à vous aussi. N'hésitez pas à regarder en replay puisque j'ai lancé un jeu, la chasse au trésor, pendant le live avec un superbe set de tampons à gagner. Donc n'hésitez pas à regarder le live en replay. Voilà cette jolie carte. Et j'ai utilisé aussi sur deux autres modèles, donc le fameux plioir de gaufrage, ici, embossé sur du papier vélin. Coucou Marie-Thérèse. La découpe du cœur toute simple sur lequel j'ai mis mon tamponnage, mon sentiment, pardon. J'ai pailleté l'embossage avec du Winko Stella pour donner du brillant. Horizon de bruyère. Et le tour est joué, on est sur une carte en 15-15 qui est toute simple, mais vraiment, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment très simple, hein. Vous avez vu, le papier vélin et le plioir de gaufrage se suffit à lui-même. Heureux jour de l'amour, vraiment tout simple. Et là aussi, là dans une version un petit peu plus simple, merci Fabienne. Béguin bleu, mon très 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 cher béguin bleu, on est d'accord. Le blanc, le ruban blanc organza que j'ai colorisé avec les Stampin' Blends, hein, vous le savez, vous avez l'habitude. Une petite étiquette toute simple. Exactement, la simplicité, rien de plus beau, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc voilà, et j'ai embossé les deux papiers, le blanc et le bleu. Petite superposition. Et c'était parti, c'était fait. Pour les messages, il y a aussi ce set de tampons amour et bonheur. Donc là, vraiment idéal pour les amoureux et les amoureuses. Mais pas seulement. Il y a des petites félicitations aussi. On a des polices d'écriture très différentes les unes des autres. Vraiment très sympa, très douce, très subtile. Il y a vraiment, vraiment de quoi faire de magnifiques créations avec ce set-là. Merci Pascal, c'est gentil. Merci Marie. Donc voilà. On avance, on avance. Tiens, j'ai perdu mon... Ah non, il est là. Ah. Deuxième sonnerie. Êtes-vous prêts pour la troisième et la quatrième question? On continue la chasse au trésor? Allez, c'est parti. Hop, je vais vous laisser ça à l'image quand même en attendant. Voilà, je mets ça là. Alors, c'est parti. La question numéro 3 de cette chasse au trésor. Vous êtes prêts? Le crayon est prêt? Troisième question. Je te réponds dans deux secondes, Elsa. Troisième question. Quelle collection irait très bien avec le set de tampons casquette du catalogue annuel? Quelle collection irait très bien avec le set de tampons casquette du catalogue annuel?
Quatrième question. Nommez au moins un set de tampons dans lequel on peut trouver un jeu de mots. Nommez au moins un set de tampons dans le mini-catalogue ayant au moins un jeu de mots. Ça marche? Donc, on arrive maintenant à la quatrième question. Je vous répète la troisième et la quatrième. La troisième, quelle collection irait très bien avec le set de tampons casquette du catalogue annuel? Et la quatrième, nommer au moins un set de tampons ayant un jeu de mots. C'est bon pour vous? Je vais boire un petit peu parce que je commence à avoir chaud. J'espère que vous avez bien noté les quatre premières questions. Il en reste encore six. Alors, Elsa, pour répondre à ta question, le papier vélin, je le colle avec quoi? Je le colle tout simplement avec de la colle. La petite astuce, c'est soit mettre ta colle derrière les éléments cachés, c'est-à-dire en l'occurrence derrière le cœur, par exemple, ici. Mais le conseil que je peux te donner sinon, c'est d'utiliser le tapis de silicone. Tu sais, il me semble que tu dois l'avoir. Donc, on verse la colle dessus. D'accord? On fait un petit paquet de colle sur le tapis de silicone. On prend un petit morceau d'éponge. D'accord? Les éponges, vous pouvez les trouver au catalogue annuel. On tamponne en fait l'éponge dans la colle et on vient l'appliquer délicatement à l'arrière du papier vélin. Du coup, avec ça, il n'y a pas de traces de colle qui transpercent le papier vélin. Voilà, j'espère que ça t'a aidé, ma belle. Dernière création que je voulais vous présenter. Avec cette collection, il y en a deux encore. Faudra que j'en ai fait beaucoup pour celle-là. Deux choses. Une petite carte, mais qui va être avec un autre set. D'ailleurs, je vais vous montrer ça d'abord. Hop. Alors ça, je vous le montre en exclu pour vous les VIP d'Harmony Scrap, vous le savez, ce sont les clients et les clientes qui passent commande sur ma boutique, donc qui sont clients et clientes avec moi, qui ont donc accès à un groupe privé Facebook pour lesquels je réserve une fois par mois un tuto, un Zoom live en fait, qui leur est entièrement réservé. Tuto qu'on ne trouve pas sur ma page, mon blog, etc. Et du coup, les VIP, vous allez découvrir le projet du mois de janvier, là, tout de suite, en avant-première. Il s'agit tout simplement d'un petit quelque chose qui va vous permettre de mettre des photos. Donc, c'est cartonné. Donc, j'ai utilisé, vous le reconnaissez, vous la reconnaissez, la collection Petit Mot Doux. Oh, il y a plein de petits cœurs. Je savais que ça vous plairait. Donc on pourra le poser tranquillement comme ça puisqu'on est avec du carton. C'est hyper simple à faire. Voilà. Et on pourra donc y glisser deux petites photos ici et là. Voilà, voilà. Tout simple. Et donc ici, vous retrouverez donc les petits cœurs qui sont donc embossés. Une petite étiquette toute simple. Oh, ma rétine aussi, Mumu, ça lui plaît. Voilà, donc si vous avez envie de réaliser ce projet vous aussi avec nous en Zoom Live, eh bien il vous suffit simplement de valider votre commande sur ma boutique en ligne et ça vous donne tout de suite accès au groupe privé, les VIP d'Harmony Scrap. Bon, les VIP, vous l'avez un petit peu en avance, hein. En tout cas, ça a l'air de vous plaire, donc je suis contente. Je vous donnerai la liste du matériel la semaine prochaine. Alors, dernière création qui utilise ce papier design de la collection Petit Mot Doux, mais qui aussi s'accordera avec un autre set de tampons. Hop. Une carte toute simple, une carte pop-up. Donc, on retrouve la découpe de la petite enveloppe, les petits cœurs, un gros bon anniversaire. Et cette carte, attention les yeux, hop, magique. Elle est sympa, hein? Elle vous plaît aussi? Une petite carte pop-up toute simple. Coucou Lucie, tu vas bien? Avec un super sentiment qu'on ne peut pas rater, hein? Vous le... Voilà. Mais vraiment très sympa, vous allez voir, c'est super simple à faire. Voilà. Donc ce petit projet-là,
Si vous avez envie de le réaliser, eh bien tout simplement, je vous invite à me retrouver le mercredi 12 janvier à 14h, puisque ce sera l'objet de notre premier live créatif de l'année 2022. Voilà, vous le savez, si vous voulez le faire, rendez-vous la semaine prochaine. Coucou Sylvie, merci Jocelyne. Je vous la remontre, hop, elle s'ouvre et hop. On peut y mettre une petite photo surprise ou on peut remettre du papier design, peu importe, selon ce que vous préférez. Bonne année aussi, Lucie. Donc ici, le papier design de la collection Petits mots doux. Les sentiments ici que vous voyez là, eux font partie de ce set. Pensez et lancer. Alors là, il est pas mal non plus. N'est-ce pas? Vous avez vu ça? Ces magnifiques sentiments. Vraiment, ils vont habiller complètement une carte. C'est vraiment génial. Vraiment, vraiment, vraiment super, super, super sympa. Donc voilà comment il se présente. Donc, comme vous venez de le voir sur cette carte, on a le bon anniversaire ici. On a le tu es unique en ton genre ici. Et il est coordonné, en fait, ce set de tampons avec un lot de poinçons qui est absolument incroyable. Attention les yeux, vous n'allez pas en revenir. Oui, à 14h, Lucie, le mercredi. Merci Fabienne, j'avais pas vu. Regardez. Poinçon, carte étroite. Vous ne rêvez pas, ils sont géants. Voilà. Alors, normalement, ils sont coordonnés avec des enveloppes que j'ai eu la bêtise d'oublier de commander. Donc, ils ne devraient pas tarder. Mais surtout, allez y jeter un œil. Donc, c'est un grand poinçon ici. Idéal pour les cartes slim. C'est juste magnifique. Et ici, vous avez les découpes pour customiser vos papiers, mais également vos enveloppes si vous les créez vous-même. C'est juste magnifique. Donc, j'ai fait une création avec celui-ci. Je n'ai pas encore testé celui-ci, mais bon, vous aurez compris le principe. Hein. Voilà, je n'en doute pas. Vraiment, ils sont magiques, ceux-là, vraiment. C'est tellement rare d'avoir des poinçons de ces dimensions-là. J'ai vraiment craqué dessus. Donc, évidemment, j'ai fait une carte slim. Vous vous en doutez. La voilà. Donc, dans un premier temps, j'ai colorisé mon papier blanc avec mes brosses à estompes en choisissant un combo de couleurs. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai fait mes découpes et je suis venue donc le coller sur mon matage blanc pour qu'il ressorte bien. C'est trop beau, hein? Avec à nouveau le bon anniversaire ici. On a le « Tu es vraiment formidable » qui fait partie du set de tampons ici. J'ai les enveloppes, tu m'envoies les poinçons, j'ai oublié de les commander. Bah, nous deux, on fait la paire, mes murs. Alors, et la petite astuce, en fait, c'est que, pour vous expliquer, lorsque j'ai fait cette carte, il m'est resté des chutes. Et je me suis dit, c'est quand même ballot de jeter tout ça, alors que c'est déjà colorisé et tout. Je suis sûre qu'on peut en faire quelque chose. Bah, j'en ai fait quelque chose, tout simplement. J'ai utilisé, donc c'est les découpes qui sont ici, là, vous voyez. On récupère des grandes bandes. Et du coup, bah, je les ai utilisées pour faire un fond de carte. Tout simplement. Une carte basique, voilà. C'était déjà colorisé. Je suis restée avec ma base de carte et mon matage dans les mêmes tons de colorisation. Voilà. Et puis c'était parti, j'avais une carte toute simple. Donc, pratiquement zéro déchet, à peu de choses près. En ce qui concerne ces petites découpes. Ici, là, ce sont bien sûr les découpes intérieures que j'ai recollées en fait avec une mousse 3D. Et c'était parti, c'est tout simple. Du coup, voilà, ça vous donne une idée. Pour ne pas jeter
vos chutes, vous savez que vous pouvez faire une seconde, voire une troisième ou une quatrième carte avec ce qui vous reste. D'ailleurs, même avec cela, hein, si on les dispose un petit peu partout sur une carte un peu plus petite, du coup, ça peut être aussi super sympa. C'est bien pour la planète. Et effectivement, essayons de faire ce que nous pouvons pour elle. Voilà. Et ici, vous avez peut-être remarqué, les embellissements, ce sont pour une fois des hexagones qui sont vraiment très sympas. Ce sont des hexagones autocollants que vous retrouvez ici. Voilà, vraiment très sympa. Ça change un petit peu des formes rondes qu'on a l'habitude de voir. Donc vous les retrouvez ici. Voilà, voilà pour ces premières créations. Bon, j'espère que ça va. Hein, j'espère que vous ne vous ennuyez pas. J'espère que vous prenez plaisir à découvrir. Je vais laisser ça 2 secondes, le temps que je fais de la place. Hop, voilà. Que vous prenez plaisir à découvrir tout cela. Hop, voilà. Je vais juste ranger vite fait, ça va m'éviter de perdre mon matériel entre temps. Hein, on est d'accord? Voilà, et puis de possiblement vous présenter 3 fois la même chose parce que ça ne serait pas très drôle pour vous. Hein. On est d'accord? Voilà, je vais tout remettre là. Est-ce que ça vous plaît? Vous avez bien noté toutes vos questions pour la chasse au trésor? C'est bon? Vous êtes calé là-dessus? Les 4 premières questions, vous avez... Est-ce que vous avez trouvé les réponses déjà? Est-ce que vous avez déjà avancé, dites-moi? Excusez-moi, je bois une petite gorgée entre-temps. Hop! J'attends de découvrir cette collection dans les kits. Oui, 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 Lydie. Alors, en effet, Lydie parle des mini-kits échantillons que je vous propose. C'est des versions 15-15 des papiers design, des rubans, des embellissements, des papiers unis et des papiers spéciaux. J'étais en train de chercher. Il m'en manquait un. Je savais bien qu'il y avait 5. Il y a 5 options possibles. Donc, du coup, si jamais ça vous intéresse, vous aussi, les inscriptions s'arrêtent samedi. Pour les kits échantillons donc de ce mini catalogue, vous pouvez vous inscrire et encore une fois, vous avez le lien en haut de la vidéo sur Facebook et dans la barre d'infos sur YouTube. Ils sont super beaux, me manquent que les poinçons. Te laisse chez ma maman. Pas de problème Fabienne, bon après-midi ma belle. Hop, c'est difficile les questions. Non, prends ton temps, t'inquiète pas, tu vas voir, tu vas trouver. Hop. Ok, alors on continue et on va partir, allez, on va partir sur la celebration, ça vous dit? Sur lesquelles? Allez, on va partir sur, il fait beau aujourd'hui, sur les arcs-en-ciel et de la couleur. 2 sur 4, c'est bien la question collection casquette pour la question 3, oui c'est ça Aurore. Pour l'instant, je regarde tes belles créations. Oh, Cécilia, t'es trop mignonne. Je n'ai pas trouvé le tampon de la 3e question. J'ai du mal à comprendre le nom. La question... Alors, en fait, Jocelyne, la 3e question, c'est... parfois, quand on fait des phrases, il y a des jeux de mots. On joue sur les mots, en fait. Et donc, c'est ça que je vous demande. Coucou Karine, comment ça va? Voilà, dans un set de tampons, dans le mini, il y a un jeu de mots, en fait, en lien avec un thème précis, et du coup, ce sentiment, il a un jeu de mots. Donc, je vous demande de me trouver lequel est-ce. Allez, c'est parti. On continue. Hop. Et nous partons, donc, je vous le disais, hop, sur un cadeau de la Celebration, qui n'est autre que ce superbe papier design. Incroyable, qui n'est pas d'ailleurs en 30-30, il y a une erreur sur ma petite présentation, c'est du 15-15, donc attention, on est bien sûr du papier 15-15, vous avez tous ces modèles là, si ça c'est pas coloré, je sais pas ce qu'il nous faut, mais ça fait un bien je trouve, plein de couleurs, ça va nous faire un bien fou. Surtout, me mets pas de questions en anglais, je suis nulle en anglais. Non, ma routine, il n'y a que du français, t'inquiète pas. Tout va bien.
Alors, ce papier de la Celebration, il vous sera offert dès que vous passerez une commande sur ma boutique et que votre commande atteindra 60 euros hors frais de port. Et ça, tous les 60 euros, vous avez droit à un cadeau gratuit. Et ce lot de papier en fait partie. N'est-ce pas qu'il est beau? Comme d'habitude, vous les voyez présentés en recto verso à chaque fois. Donc, tout un tas de magnifiques couleurs, hyper bien coordonnées. Pas d'inquiétude justement sur la coordination des couleurs. Faites-vous plaisir, profitez-en. Vous savez que par principe, une collection, pas de problème, pas de faute de goût, tout se coordonne. Donc, pas d'inquiétude. Un exemple comme ça, des couleurs qui sont proposées, baie des Bermudes, flamand fougueux, piscine partie, magenta aux folies, tarte au potiron, plein de belles couleurs pour faire plein de belles créations, n'est-ce pas? Ce papier design, eh bien, il est coordonné à un lot qui est disponible dans le mini-catalogue et également que j'ai utilisé avec un autre papier, ce qu'on appelle dans les papiers spéciaux, dont je suis complètement tombée amoureuse. Et je suis sûre que ça va être pareil pour vous. Je vous montre ça tout de suite. Alors, hop, les créations que j'ai réalisées avec ce lot. Hop. Arc-en-ciel de bonheur. Déjà, rien que tout ça. Oui, c'est ça, Laurence. Vous avez... Donc ça, c'est un lot, hein, on est d'accord. Poinçons, tampons, coordonnées. Et bien sûr, ils sont coordonnés donc au papier design. En sachant que là, vous voyez, bon, ils sont, j'ai été obligée de les couper. Ici, vous avez des arcs-en-ciel. Eh bien, sachez que... Ben, je ne vais pas réussir à l'attraper, dites donc. Ce poinçon-là est coordonné avec le papier design. Donc, vous pourrez couper vos arcs-en-ciel avec le poinçon ici. Pas de problème, Marcel. Je comprends parfaitement. Ne vous inquiétez pas. Je vous dis à très bientôt. Et faites-moi un petit coucou en replay si ça vous dit. Bye bye. Voilà, donc le poinçon sur le papier, hein, bien sûr, vous avez l'arc-en-ciel en entier. Du coup, sachez que vous pourrez le couper avec. Donc ça, c'est top. Des petites étiquettes, des grands arcs-en-ciel, des petits nuages. Mais je vais vous montrer ça découpé et aussi avec des créations. Regardez. Hop. Donc, voilà ce que ça donne, toutes vos découpes. Alors, j'ai un petit peu foiré ma découpe. Parce que je l'ai faite au ciseau, puis j'ai fait un petit peu trop serré. Hein. Faut pas m'en vouloir. Regardez pas. Alors, ici... Nous sommes donc sur le lot arc-en-ciel de bonheur. Donc tampons, poinçons, coordonnées. Avec tous les petits messages, l'arc-en-ciel, pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc là, je les ai embossés avec la poudre embossée argentée. Donc là, vous avez tous les petits sentiments. Donc celui-là, vous pouvez le travailler. Il est en forme arrondie, mais vous pouvez réduire l'arrondi ou l'accentuer si vous le souhaitez. Donc vous avez l'étiquette, les petits nuages, la découpe qui peut vous servir donc à découper le papier design, les chutes qui vous restent que vous pouvez utiliser en découpant dans différents papiers. Laurence, t'as pas accroché avec ça? Alors, pas de problème. Mais je vais te montrer des trucs, tu vas voir. Pas de problème. Donc voilà toutes les découpes. Ici, on a une autre découpe qui est vraiment très sympa. Voici venir la suite des questions. Nous allons donc passer à la question, aux deux questions suivantes. Petite pause, je suis désolée, j'ai mon chien qui se lâche. Alors, c'est qu'il doit y avoir quelqu'un devant la maison en fait. Alors, vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4. Nous sommes à la cinquième question. Quand on va voir les cartes, on va halluciner. Oh là là, arrêtez, vous allez mettre la pression à Lise.
Perso, j'accroche pas, mais aucun problème, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y en a qui vont tout aimer, il y en a qui vont avoir plus de mal avec certaines choses, mais justement, ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait pour tous les goûts. C'est ce que l'on souhaite, en fait. Alors, on y va pour la cinquième et la sixième question de la chasse au trésor. Attention. Quel set de tampons est spécifiquement adapté à une carte slim? Pour celles qui ont déjà fait le challenge du mois dernier, la Slim Card, elles vont savoir répondre. Quel set de tampons est spécifiquement adapté à une Slim Card, une carte Slim allongée? Ça, c'est la question 5. La question 6, nommez les embellissements que vous pourriez trouver lors d'une randonnée. Attention, je veux simplement le nom d'un paquet d'embellissements, d'accord? Nommez les embellissements que vous pourriez trouver lors d'une randonnée. C'est bon, vous avez tout noté. Questions 5 et 6, c'est OK pour vous? Quel set de tampons est spécifiquement adapté à une carte Slim? Et nommez les embellissements que vous pourriez trouver lors d'une randonnée. C'est bon pour vous? Je vous laisse finir de noter. Hop. Donc, nous venons de faire jusqu'à la sixième question. Ça va vite, hein, finalement. C'est bon pour vous? Vous avez tout noté, c'est bon? Alors, on y va pour les petites créations. Il y a autre chose que je voulais vous montrer aussi. Regardez. Sur ce papier design, ici. Vous voyez les gros nuages? Donc, les gros nuages, plutôt que de vous amuser à les découper au ciseau, regardez. Nous avons la perfo qui va les découper parfaitement. Donc, évidemment, après, vous pouvez vous amuser à découper des nuages dans du papier blanc ou à coloriser ou comme vous voulez, mais sachez que, voilà, le papier de la SAB, vous pouvez aussi trouver la perfo nuage qui coupera parfaitement le papier design. Du coup, ce papier design, il est vraiment multifonction, puisque entre les découpes des arcs-en-ciel avec les poinçons, les découpes des nuages avec les perfos et toutes les palettes, la palette de couleurs, il y a de quoi faire. Ok, allez, on en vient aux créations. C'est parti. Je vais vous montrer différentes choses. Alors, on a quelque chose de très basique qui m'a permis en fait d'utiliser la découpe ici de la frise que je trouve vraiment très jolie ici et également la petite étiquette. Très simple, vraiment basique. J'ai utilisé le papier design ici, là et là. Des petites bandes de papier toutes simples. La découpe ici de l'étiquette dans du papier pailleté. Le petit message qui fait partie du set de tampons. Et le tour était joué. Vous pouvez vous amuser avec différentes couleurs. Tu vas rire, c'est Mamour qui a la tête dans le catalogue pour répondre aux questions. J'adore! Et avec le petit joyeux anniversaire à l'intérieur qui est très très joli que je vais vous montrer aussi tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc vraiment quelque chose ici de très simple. Ensuite, ici, une carte. Attention. Hop là. Toute simple aussi. Avec le papier design. Ici, la découpe donc de l'arc-en-ciel que j'ai laissé blanc. En mettant un petit peu de marge en dessous pour mettre le sentiment. Avec des petits papillons dorés. Sont trop trop beau. Voilà, quelque chose de très simple, voilà, mais pour mettre en valeur le papier design. Encore quelque chose de très simple, et ça c'est pas mal pour utiliser les chutes de papier. Voilà, en utilisant les perfos ovales tout simple. Quand on est pressé, qu'on a besoin d'une petite carte, c'est pas mal. Attention.
Celle-ci, c'est une carte Shaker. C'est dommage que Drin Drin soit parti. Donc, une carte Shaker. Donc, la découpe de l'arc-en-ciel. Des petits cœurs que vous retrouvez ici, tamponnés donc dans les couleurs coordonnées. Le papier design ici. Du papier fenêtré, des petits sequins et le tour à jouer. Voilà, une carte très colorée qui peut faire plaisir aux enfants, par exemple. Voilà, avec le petit message à l'intérieur. Et voilà. C'est top, hein? Non, c'est que dans le mini catalogue, Elsa, les questions. Sauf que comme tu as l'annuel, il y a une question où il y a un set de tampons dedans et voilà, qui est en lien avec la question. Voilà. Et pour finir, avec les grands poinçons arc-en-ciel, j'ai fait deux autres cartes. Je crois que c'est mes préférées, celles-là. Je coince sur la question 6. Laurent, je suis sûre que tu vas trouver. Alors, regardez. Ce sont les deux mêmes cartes, mais inversées avec les couleurs, j'adore. Là, c'est pareil, hein. C'est hyper simple. En fait, c'est donc les grandes découpes de poinçons du grand arc-en-ciel découpées dans le papier pailleté que je vais vous montrer tout de suite. Les découpes nuages blanches. Ici, la colorisation à la brosse à estompe. Et le tour à jouer. Vous avez vu? Je les adore, celles-là. Je crois que c'est mes préférées. Ça brille tout seul. C'est trop beau. Et donc ça, c'est le papier pailleté, ici, rose et bleu, qui s'appelle Scintillement léger. Vous avez deux feuilles, c'est du 30-30. Voilà, et c'est avec ce papier-là que j'ai fait ces arcs-en-ciel. Oui, ouais, c'est mes cartes préférées. Bon, alors, Laurence, est-ce que t'es réconciliée avec ces arcs-en-ciel ou pas encore? Dis-moi. Merci, Nathalie. Qu'est-ce que t'en penses alors? Est-ce que j'ai réussi à te convaincre ou pas encore tout à fait? Bon, on a 6 mois hein, pour s'habituer à tout ça, pour prendre plaisir avec tous ces produits. On a le temps, pas de panique. Coucou Nathalie, oui, il n'y a pas de problème, t'en fais pas, faudra que tu regardes le replay si tu veux participer à la chasse au trésor. Merci Anne-Lise. Ah, je commence à les apprécier un peu, t'es pas obligée de dire ça pour me faire plaisir, hein? Alors pour la petite histoire, pour celles et ceux qui me regardent, Laurence, la petite coquine, là, c'est ma fille, c'est une de mes filleules. Alors, elles sont sympas, mais c'est pas... Ok, pas de problème. Je comprends. Alors, mais je sais qu'il y en a qui sont fans par contre et qui les attendent avec impatience. Alors, hop, je mets ça de côté. Hop, et on va continuer maintenant avec, ça je vais le ranger aussi, un autre set de tampons. Hop, qui vous est offert pendant la celebration. C'est dur à dire en fait, hein. Toutes tes cartes sont super belles. Oh, merci Karine. C'est ta dernière création. C'est ma dernière création qui t'a fait changer d'avis. Ah, tu veux dire avec le papier pailleté, c'est ça? Ouais. Oui, c'est normal, c'est ma préférée. Alors, un autre set de tampons qui vous est offert. Des 60 euros d'achat. C'est un truc tout mignon. Un petit set tout mignon avec des petites voitures et tout. Imaginez les cartes d'anniversaire pour les enfants. Ou les invitations, par exemple, aux anniversaires, le top. Et on peut aussi carrément partir sur les années 60 avec le combi, on est d'accord? Imaginez-le avec plein de petites fleurs, par exemple. Donc, ça peut être pour des personnes, j'allais dire, plus âgées. Bon, bref, vous m'aurez comprise. Bref, c'est pour tout le monde. Pour les cartes anniversaire enfants. Plutôt pour moi. Bah écoute, parfait. J'ai d'autres coups de cœur, Émilie. Bah alors, partage-les-nous tes coups de cœur, ma belle. Je t'en prie. Alors, pour ce set de tampons, en fait, j'ai fait une carte qui regroupe les trois tampons ici.
Vous allez voir, c'est une carte slim justement dont on parlait tout à l'heure, tout simplement, où j'ai regroupé, voilà, les trois belles petites, les deux petites voitures et le petit combi. Donc vous pouvez vous amuser à tamponner dessus des petites fleurs, des étoiles, ou tamponner directement le combi sur du papier design et ensuite le découper. Et du coup, ça peut être super joli. Il y a plein de choses à faire. Donc voilà, hop. Avec la colorisation au blends, hein, évidemment, vous le savez, je les adore mes petits blends. Voilà, une carte toute simple. Oula, si je zoome trop, on me perd. Là, voilà, vous voyez mieux là. C'est notre époque hippie. Ben voilà, t'as tout compris. Voilà pour ce petit set de tampons. Donc ça, sympa, hein, pour faire plein de belles petites cartes. Vous avez de quoi vous amuser. Donc ça, c'était un set de tampons de la Celebration. On va partir complètement dans un autre univers. Je prends un petit peu au hasard de mes créations. J'en ai tellement là, je ne suis même pas sûre d'avoir le temps de tout vous montrer. Mais je me dis qu'au pire, on pourra en garder pour la prochaine fois. Alors, une carte toute simple avec un set de tampons qui est très très joli. Et pour celles et ceux qui connaissent déjà Stampin' Up, ça va vous forcément vous rappeler un autre set que nous avions précédemment. Pétale de romance. Il est très doux et très romantique ce set de tampons. Et puis vous avez vu, on a la tour Eiffel. Voilà, il y a vraiment de quoi faire des choses très sympas. Vous avez le ticket aussi Lille. Pour toutes les personnes du Nord, ça va leur parler, bien sûr. Une jolie frise ici. Vraiment de quoi faire des cartes vraiment très très sympas. Oui, Émilie, je suis assez d'accord. Magnifique les créations, Émilie. Je voudrais recevoir le catalogue. Si c'est payant, je ferai un règlement par courrier. Pas de problème, Marcel, c'est pas payant. Et je t'en envoie un. Il partira demain, pas de problème. Avec plaisir. Et donc la création que j'ai faite ici, elle est très simple. Je suis partie sur le fraisier en fleurs. Vous voyez, donc très très simple. Donc j'ai tamponné en arrière-plan celui-ci. Voilà. Vraiment, vraiment très très simple. On a ici la belle fleur. Bon, quelque chose de très simple, mais qui a vraiment un rendu très sympa. Voilà, donc pétale de romance qui donc n'est pas sans nous rappeler notre cher set de tampons Very Versailles que nous étions très très nombreuses à affectionner tout particulièrement, n'est-ce pas? Hop. Alors, on continue? Ça va? Vous tenez le coup? Je vous prie de m'excuser, hein, je m'hydrate en même temps. Alors, sur quoi on va partir maintenant? Mais où es-tu? Ouh là là. Un autre set de tampons qui fait partie lui aussi de la Celebration, qui est tout mignon aussi, lui, qui va beaucoup plaire aux petites filles notamment et aux rêveuses que nous sommes, et qui est Chasse aux papillons. Il est trop mignon, regardez-moi ça. Cette petite fille qui attrape les papillons, vraiment, il est trop chaud. Donc pareil, celui-là, c'est des 60 euros d'achat. Voilà, je vous montre l'intérieur. Hop. Voilà, un de ces sets de tampons. Et voici la carte que j'ai réalisée. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir à l'image, je vais essayer de zoomer vraiment beaucoup. Voilà, j'ai utilisé donc les petits poinçons feuillage, vous voyez, pour l'arrière, tout simplement. J'ai fait une découpe avec les pyramides de cercle, tamponné la petite demoiselle dont j'ai colorisé, évidemment, la robe avec les blends. Et j'ai mis un petit peu de Wing of Stella aussi, bien sûr. Et le filet, en fait, je l'ai tamponné et découpé à part pour le positionner donc en 3D, vous voyez. Voilà, et puis j'ai tamponné les petits papillons au-dessus dans
la même couleur que le fond de mon papier. J'y ai rajouté bien sûr les petits papillons, hein, parce que il était évident que ces petits papillons dorés devaient apparaître sur cette carte. Il ne pouvait en être autrement, n'est-ce pas? Le petit sentiment joyeux anniversaire qui, lui, vient justement d'un set de sentiments que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y en a pas mal là, dans ce mini-catalogue et je trouve ça vraiment top parce que on a une large gamme de sentiments et c'est vraiment très très pratique pour la carterie, bien sûr. Voilà celui que j'ai utilisé. Donc, on est sur joyeux anniversaire ici. Donc, ici, que vous avez déjà vu dans des créations précédentes. Et du coup, on part sur différents thèmes. Vous voyez, on a Pâques, on a la fête des pères, on a les anniversaires, on a un merci beaucoup, on a le bonne fête maman également. Pour les enfants aussi, si fier de toi, ça peut être sympa, le petit bravo avec amour. Vraiment, on est sur une large gamme de sentiments et c'est vraiment super pratique. Je suis sûre que ça vous plaît autant qu'à moi. Donc, on est sur le set de tampons à l'honneur. Donc, vous retrouvez ici le joyeux anniversaire. Tout simple. Voilà, juste des idées pour vous inspirer, pour vous que vous puissiez imaginer ce que vous pouvez faire avec tout ça. Alors, je vais vous montrer un de mes coups de cœur. Enfin, deux de mes coups de cœur, en fait. Gros, 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 gros coup de cœur. Je vous montre ça tout de suite. Il s'agit d'un papier design qui est offert dans la Celebration et d'un set de tampons qui est dans le mini catalogue que j'ai combiné. Je les adore. Bougez pas. Je vous montre ça tout de suite. Hop. Je les prends ici avec moi. Voilà. Hop. Alors, pour ce qui est du papier, alors lui, c'est vraiment... J'en suis complètement dingue. Il est magnifique. Beauté marbrée. Il est offert, pareil, des 60 euros d'achat pour vos commandes. Hein, d'accord. C'est du format 15-15. Et vraiment, il est incroyable. Il est doux, classique, un peu perçant. Je ne sais pas comment expliquer, mais alors moi, il m'a complètement tapé dans l'œil, celui-là. Il est vraiment incroyable. Couleur, c'est ton préféré Rachel? Ah ouais, ah oui toi aussi Laurence, ouais, il est extraordinaire. D'ailleurs à mon avis il va partir très vite, parce qu'on ne doit pas être les seuls. Il est incroyable ce papier, il est magique. Beau bourdon, béguin bleu, flamant fougueux, piscine partie, horizon de bruyère, flamant fougueux. Oui on dirait du marbre, c'est pour ça qu'il s'appelle beauté marbrée ma petite marotine, c'est parfait. Ah oui, il est magnifique. Voilà, je suis pas la seule. Je savais que ça vous plairait aussi celui-là. Moi, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Et du coup, un de mes autres coups de cœur, c'est un set de tampons, pareil, qui est dans le mini catalogue, qui n'est autre que celui-ci, le moment présent. Il est incroyable, ce set de tampons. Il y a tellement d'occasions et tellement de personnes à qui on peut faire une petite carte et à qui on peut envoyer tout ça. Je suis sûre que vous aussi, vous allez craquer. Et en fait, j'ai fait des créations en combinant ce papier et ce set de tampons. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Pareil, hein, je suis restée sur quelque chose de très simple. Mais alors, qu'est-ce que j'aime ça? Donc, moment présent, il est incroyable parce que du coup, on peut utiliser plein de techniques, que ce soit la colorisation au blends, que ce soit la colorisation avec les crayons aquarellables, avec les crayons à estompes, avec les brosses à estompes, avec l'embossage à chaud. Il y a une quantité industrielle de tout ce que vous pouvez faire avec ce set de tampons. Je suis sûre que vous allez parfaitement bien imaginer. Ah, la petite sonnerie nous indique que nous allons passer aux deux avant-dernières. Question, prenez vos papiers, vos crayons, c'est parti. Préparez-vous à noter donc les questions 7 et 8. Et juste après, je vous montre les fameuses cartes. Alors, on y va. Vous êtes prêts? Question 7. Je vais faire appel à votre mémoire d'enfant.
Quel set de tampons rappelle le dessin animé des années 80 Vic le Viking? Quel set de tampons rappelle le dessin animé des années 80 Vic le Viking? Huitième question. Attention. Comment s'appelle la collection dont le papier design est présenté sous un tout nouveau format? Je suis sûre que vous allez trouver facilement la réponse. Je répète la question. La huitième question. Comment s'appelle la collection dont le papier design est présenté sous un tout nouveau format? Annelise, tu vas trouver, je suis sûre. Tu vas voir. Voilà, vous avez les questions 7 et 8. Attention, allez, je les répète une dernière fois. La septième question. Quel set de tampons rappelle le dessin animé des années 80, Vic le Viking? Et la question 8. Comment s'appelle la collection de papier, la collection, pardon, dont le papier design est présenté sous un tout nouveau format? Attention, il ne reste plus que deux questions. Alors, je vous montre les fameuses cartes que j'ai réalisées donc avec mon papier chouchou et mon set de tampons chouchou. Hop, je décale ça ici. Alors, bah voici la première. Je crois que c'est celle que je préfère. Tout simple, mais vraiment tout simple. Donc, le papier marbré à l'arrière. Ici, l'arrière du rond, en fait, est colorisé à la brosse à estompe dans trois tons de couleur. Un petit ruban, le tamponnage, une étiquette sentiment et le tour est joué. C'est tout simple, mais j'adore. Si vous saviez comme j'adore. Voici donc la première. La deuxième. Merci Lydie. Ici, toujours le fameux papier marbré. On est sur un autre format de découpe, mais ça rend aussi très très bien. Même principe. Là, je n'ai pas colorisé la petite personne. J'ai juste colorisé donc tout le papier avec la brosse à estompe. Voilà. Pareil, un petit sentiment que je n'ai pas mis en entier, n'est-ce pas? Puisque tu fais toujours autant pour les autres. J'ai juste gardé cette partie-là. Voilà. Et pareil, hein, tout simple. Hein. Vraiment tout simple. Et du coup, j'ai fait dans une autre couleur, hein, parce que j'ai eu un petit peu de mal à m'arrêter. Sauf qu'ici, en fait, la colorisation, elle est faite avec les crayons de couleur aquarellables. D'accord? Toute la colorisation. Et donc là, donc sur le grappe gourmande, le petit ruban coordonné, tu es dans mes pensées, qui est dans le set ici. Et voilà. Et ça suffit en fait. Avec peu de choses, on fait des trucs de dingue. Alors, non, je ne suis pas du tout prétentieuse, je vous assure. Mais voilà, parfois on est plus fier de certaines créations que d'autres et tout. Voilà. Bah celles-là, je les adore. Coucou Nati, bonne année ma belle. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne fête. Et la dernière que j'ai faite donc, là par contre je n'ai pas utilisé. Ah si, j'ai utilisé un petit morceau de papier marbré, pardon. Juste pour le bas ici. Alors, j'ai embossé à froid avec le classeur des fleurs. Le papier blanc. Ici, j'ai utilisé Mystérieuse Brume. Et en fait, le set de tampons là, il est embossé à chaud avec de la poudre blanche et colorisé l'intérieur avec le Wink of Stella. Donc, c'est ça l'effet pailleté que vous voyez. C'est tout bête, hein? Je vous disais, il y a une palette d'utilisation de techniques incroyable. Une bande de couleurs supplémentaire pour faire un combo de couleurs. Et du coup, voilà. Ici, ce sentiment, je donne 5 étoiles à notre amitié, très sympa. Et il fait partie du set de tampons Vantardise, qui est trop mignon aussi. Voilà, encore des sentiments. Je vous disais, on a pas mal de sets de tampons avec des sentiments là dans ce catalogue. C'est vraiment très sympa. Est-ce que vous voyez mieux si je fais comme ça? Non. Ton amitié est aussi indispensable que le soleil après la pluie. Sympa.
Dire qu'avant on faisait les 400 coups, maintenant on ne passe plus les 12 coups de minuit, le temps file, ça me va bien. Et dis donc, tu fais de grandes choses, des choses de grand, pardon, pas mal pour un petit garçon qui grandit. Je suis là pour toi, sérieusement. N'essaie pas de te débarrasser de moi, ça c'est dit, et merci d'être celle avec qui je suranalyse tout. Voilà des super messages que vous pouvez envoyer à vos amis. Encore une fois, vous avez de quoi vous faire plaisir et à faire de quoi faire plaisir également. Donc je rappelle ici, il est là. Voilà ces petites cartes, donc avec beauté marbrée et le moment présent. J'espère que ça vous plaît, mais ça a eu l'air de vous plaire et j'en suis ravie, vraiment, vraiment. Hop! Alors, on continue? Allez, on continue. Je mets ça de côté. Hop. Je vais vous montrer rapidement un set de tampons qui fait partie des sets hôtesses. Vous le savez, lorsque vous passez une commande qui dépasse les 200 euros, vous êtes éligible au cadeau hôtesse, c'est-à-dire par exemple celui-ci, petit mot amico qui est vraiment très sympa, avec un petit arbre, une petite fille sur une balançoire très jolie, des sentiments très très sympas aussi. Voilà, assez. Les polices d'écriture un petit peu différentes, mais très jolies aussi. Voilà, et du coup, j'ai fait une petite carte très simple. Voilà, donc j'ai utilisé. excusez-moi. Faut que je reprenne mon souffle parfois. Ici, c'est un papier en fait qui fait partie de la collection Bien chez soi, dont je ne vous ai pas encore parlé. Ici, je suis sur le papier Soyeuse succulente, donc je suis restée avec la colorisation des blends dans les mêmes tons. Le bleu avec la brosse à estampes, tout simplement. Le petit message Merci à toi qui est ici. Et puis à nouveau, les petits papillons dorés qui sont incroyablement beaux. Et puis les découpes de rectangle. Donc voilà, très simple. Encore de quoi s'amuser en fait avec la colorisation. Donc vraiment très très sympa ce petit set de tampons. Donc pour les commandes au-dessus de 200 euros ou lorsque vous décidez de faire un atelier donc avec des copines par exemple, eh bien si vous êtes hôtesse, vous avez la possibilité d'avoir ce set de tampons. Alors. Ça va, vous êtes toujours là? Tout va bien, vous passez un bon moment? J'espère surtout que vous avez déjà dans un premier temps découvert plein de choses. Et puis, simple et efficace. Merci Isabelle, c'est gentil. Et puis, n'oubliez pas que pendant la Celebration, vous pouvez rejoindre mon équipe et faire une économie de près de 107 euros si vous choisissez deux sets de tampons comme Stampin'Up vous l'offre. Donc du coup, j'ai hâte de vous accueillir dans mon équipe et d'avoir un petit échange avec vous pour répondre à vos questions. Alors, qu'est-ce qu'on va attaquer maintenant? Tiens, celui-ci. Hop, je le prends comme ça au hasard, au fil de mes envies. Alors, ici, nous avons un set de tampons assez original. Qui, pareil, peut nous permettre d'utiliser différentes techniques, à savoir par exemple la technique de la lingette avec les encres liquides, mais également la colorisation directe sur le set de tampons avec les Stampin' Write, cette fois les feutres à eau. Attention à ne pas confondre avec les blends qui sont à base d'alcool, donc surtout pas sur les sets de tampons, on est d'accord? et puis bien sûr avec nos pattes d'encre classiques, bien sûr. Donc vraiment de quoi faire des choses très très jolies aussi avec ce set de tampons. Je vous ai préparé deux cartes. Donc la première en fait c'est un peu un trompe-l'œil. Donc simplement donc cet arbre tamponné sur le papier et puis découpé ensuite avec deux poinçons cercles pour faire une petite découpe. Du coup vous voyez ça fait un trompe-l'œil. Vous voyez, donc je l'ai collé avec les mousses 3D. On en reparlera, Rachel, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'ai d'abord tamponné l'arbre, ensuite le message, et ensuite seulement je suis venue positionner donc deux poinçons cercles maintenus
par exemple avec du masking tape, pour créer en fait cette petite découpe. Et je suis venue tout reposer donc avec les bandes de mousse 3D, vous savez, les longues bandes. Voilà, puis les petits papillons hein, dont je me passe pas. En fait, je me suis rendu compte que j'en ai mis beaucoup. Donc voilà, je les ai coordonnées avec ça. Et puis j'en ai fait une autre. Et puis il y en a qui vont les revoir très bientôt, celle-ci. Donc voilà, donc toujours ce tampon-là de Amazing Silhouette que j'ai tamponné donc cette fois dans plein de couleurs. J'ai fait plein de couleurs différentes, presque toute la gamme des couleurs Stampin' Up. Mais que j'ai coordonné avec ces découpes. Merci. Donc en fait, on a, je vais vous montrer, on a l'arrière et puis la découpe du merci. Et en fait, j'en suis tombée amoureuse de ces découpes. Elles font partie de ce set de poinçons qui s'appelle Merci Admirable. Pardon. Donc on a le merci et tu es adorable, admirable, pardon. Donc on a l'arrière qui fait vraiment ressortir le texte et je trouve ça trop joli, j'adore, vraiment très sympa et du coup on peut s'éclater à faire des super cartes et voyez je vois à l'image là quand on voit d'un peu plus loin, ça ressort vraiment super bien, je trouve ça vraiment trop beau. Donc voilà une petite idée de ce que vous pouvez faire avec ce set de tampons Amazing Silhouette si vous le coordonnez par exemple avec les poinçons Merci Admirable. On va repartir encore un peu dans la nature et cette fois nous allons nous diriger vers des oiseaux et des coccinelles. Nous partons sur des cadeaux Celebration mais cette fois à partir de 120 €. Mais il y a une raison à cela, c'est qu'en fait ce sont des papiers design et un set de tampons coordonnés. Vous avez les deux ensemble. Je vous montre ça tout de suite. Hop. Donc, bonjour amical. Ça, ce sont donc les papiers en 30-30 qui sont pareils, très doux, très jolis, vraiment très sympas. Coordonnés donc avec un set de tampons. Coucou amical. Voilà que vous retrouvez ici. Donc un très très joli petit oiseau. Je vais devoir vous laisser regarder. Pas de problème Nathalie. Gros bisous et merci d'être passée ma belle. Donc petit oiseau avec des très belles fleurs. Oui, ils sont vraiment top hein, Laurence, t'as raison. Coucou toi là, on peut pas le louper. Il est vraiment très sympa. Nos souhaits pour un jour exceptionnel avec toute ma tendresse et mon soutien. Vraiment de quoi faire des petites créations aussi très sympas. Donc ça c'est les deux ensemble, le papier design en 30-30 et le set de tampons. Et ça c'est pour vos commandes qui atteignent 120 € hors frais de port. Donc petite création toute simple, je vous montre ça tout de suite. Je suis partie encore une fois dans le quelque chose de simple parce que j'aime bien ça. Donc ici le papier design avec le papier blanc, donc je vais essayer de zoomer pour que vous voyez mieux. En fait j'ai collé le papier design sur le papier blanc et ensuite j'ai fait la découpe, voilà, avec les poinçons rectangles. Du coup ça fait un petit point, une impression de couture. Ah voilà, vous voyez mieux. Voilà, tout le long, même avec la partie blanche. Ok, ensuite pyramide de cercle, donc le cercle festonné et le basique ici pour le tamponnage du petit oiseau et puis le coucou toi. Et voilà, la carte était faite, des petits embellissements rajoutés par dessus ainsi que sur les petites fleurs, un petit peu de colorisation et le tour est joué. Vraiment très simple, mais je pense que ça peut faire plaisir de recevoir une petite carte comme ça. Et quelque chose d'encore plus simple, là j'ai tout bonnement tamponné pareil, celui-ci, donc le petit oiseau qu'on a ici, auquel j'ai ajouté les fleurs, la fleur ici que j'ai tamponnée deux fois, donc ici et là, petite colorisation que j'ai collée donc en 3D sur la base de ma carte, et puis le petit message, vraiment, exactement comme tu dis Laurence, en toute simplicité, mais qui fait ce qu'il y a à faire, vraiment magnifique, j'aime vraiment beaucoup.
Et je suis restée sur les mêmes tons pour la colorisation de l'oiseau. Mais bien sûr, faites-vous plaisir et il y a de quoi, pareil, les coloriser dans des tas de couleurs. Les couleurs pour colorier, c'est quoi? Alors ici, par exemple, mon oiseau, il est en béguin bleu anise. Les fleurs sont en frésia en fleurs. Et mon vert ici, grenouille guillerette. En fait, j'ai pris les couleurs qui sont coordonnées au papier design, tout simplement. Voilà, donc vraiment quelque chose de très simple. Mais encore une fois, la palette de possibilités est infinie. Laissez parler votre imagination, votre inspiration, et vous verrez, vous ferez des merveilles. Faites-vous confiance surtout, c'est le plus important. N'ayez pas peur de vous lancer. Quel que soit votre niveau, surtout n'ayez pas peur. Je vous disais donc oiseaux, insectes, nature, tout simplement parce que nous partons vers les coccinelles. Nous avons des nouvelles coccinelles qui cette fois ne font pas partie d'insectes hôtesses, mais qui sont bien disponibles dans le mini-catalogue. Coucou coccinelles, elles sont trop mignonnes. Je les aime beaucoup. Ma routine dit on ne se trompe pas pour coordonner les couleurs. Non, chez Stampin' Up, c'est vraiment le gros avantage. C'est que chaque collection de papier design qui sort est forcément coordonnée avec les papiers unis, avec les pattes d'encre, avec les feutres. Tout fait partie de la même gamme de couleurs. Donc vraiment, c'est le top. Il n'y a pas de raison de se tromper. En tout cas, pour la coordination de couleurs, là, vous pouvez vous faire confiance, il n'y a aucun problème. Avec ce petit set de tampons, nous avons une perforatrice. Eh oui, donc pour la grande coccinelle, ici, voilà, on retrouve le corps et les ailes. Un gain de temps pas possible, je vous assure. Ça, j'adore. Moi, les gains de temps de ce style-là, moi, je prends, hein, il n'y a aucun souci. Vraiment nickel. Donc là c'est pareil, hein. Il y a vraiment de quoi s'éclater et faire des créations incroyables, surtout. Donc j'ai deux petites cartes à vous proposer avec ces petites coccinelles. Une assez classique avec la petite coccinelle rouge et avec laquelle je n'ai pas pu m'empêcher de réutiliser Beauté marbrée. Vous allez comprendre tout de suite. Voilà la première carte. Donc ici, le papier beauté marbré sur lequel j'ai tamponné les petites fleurs que vous voyez là. Voilà, en deuxième génération, donc avec ardoise bourgeoise. Histoire de lui donner encore un tout petit peu plus de peps. Avec des pois blancs collés sur le centre de certaines petites fleurs. Ici, les petites coccinelles découpées. Donc pour celle-là, la perfo. Bon, celle-là, je l'ai faite à la main. Voilà. Mais je sais qu'il y en a parmi vous qui adorent le détourage. Donc ça ne sera pas un souci pour elles. Et puis les grandes feuilles, pareil. Bon là, elles ne sont pas compliquées à découper au ciseau. Hein. Je vous parle par expérience puisque je les ai découpées 3 fois. Hein. Donc en première et deuxième génération, pour donner un petit peu de perspective. Et puis le petit nuage dont je vous ai montré la perfo tout à l'heure, voilà celui-ci, donc j'ai découpé dans le blanc, voilà, et puis donc le rappel du rouge pour rappeler ma petite coccinelle en matage, et du coup ça ressort super bien, je suis sûre que ça vous plaît aussi. Et puis du coup j'en ai fait une seconde, cette fois j'ai utilisé le papier design Bonjour Amical, en l'occurrence celui-ci. Et là, bah du coup, je suis partie sur, pareil, le frésia en fleurs. Et j'ai utilisé des petits napperons qui, eux, font partie de la collection Bien chez soi, qui ne sont pas du tout de cette couleur-là. Je les ai juste retournés, tout bêtement. J'ai tamponné ma petite coccinelle dans le frésia en fleurs pour que ce soit coordonné avec mon papier design. Bonne année, Geneviève, j'espère que ça va. Une petite ficelle. Je termine juste et je vous pose les deux dernières questions. Une petite ficelle blanche que j'ai colorisée avec mes Stampin' Blends Fraisier en fleurs, bien sûr, pour lui faire un petit nœud. Et puis voilà, c'était parti. Des petits bijoux classiques du Rhin irisés que j'ai mis un petit peu partout. Et voilà, on a une super carte toute simple que j'aime beaucoup aussi. Et je surkiffe. Bah écoute, Laurence, tant mieux!
Voilà, on a quelque chose d'un peu plus pêchu ici avec le rouge rouge, un peu plus doux et romantique avec le frésia en fleurs. J'espère que ça vous inspire, mes amis. Hop. Alors, nous allons continuer. Voilà, je mets ça de côté. Il va falloir que je fasse attention parce que ma pile risque de tomber. Je vais donc vous poser eh bien, les deux dernières questions de ces premières portes ouvertes. Frésia en fleurs, oui, c'est vraiment, il est trop beau. Je suis d'accord. Claudine, ça vous plaît aussi? Bon, c'est super. Mumu, t'adores le frésia, trop mignonne la coccinelle. Bon, super. Alors, c'est parti pour les deux dernières questions de ces portes ouvertes. Vous êtes prêts? Très difficile de choisir dans tous ces projets. Merci Rachel, je suis contente. Ça veut dire que les projets te plaisent. Je suis très touchée en tout cas. Et puis on a 6 mois. Hein. Vous avez 6 mois pour pouvoir vous faire plaisir. Et puis du coup, si vous rejoignez mon équipe, enfin quand vous allez rejoindre mon équipe, eh bien vous allez pouvoir vous faire encore plus plaisir. Parce qu'avec les 107 euros d'économie que vous pouvez faire en rejoignant mon équipe, et après les 20% de réduction que vous aurez à chacune de vos commandes, plus la celebration pour vos commandes là jusqu'à fin février. Bref, j'ai envie de vous dire, c'est le moment de venir. Allez, c'est parti, les deux dernières questions pour la chasse au trésor de ces premières portes ouvertes virtuelles du mois de janvier. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. La neuvième question ressemble un petit peu à une question précédente. Nommez les embellissements que vous pourriez trouver au fond de l'océan. C'est facile. Et la dernière question, là aussi, c'est quelque chose de très facile. Comment se nomme la collection dont l'emblème est une grue? Je répète les deux questions. Nommez les embellissements que vous pourriez trouver au fond de l'océan. Et comment se nomme la collection dont l'emblème est une grue? N'oubliez pas, je vous rappelle que là, les 10 réponses doivent m'être envoyées par mail à harmoniescrap@harmoniescrap.fr et ce jusqu'au dimanche 9 janvier 20h. Je ferai donc un tirage au sort le 10 janvier et je vous ferai gagner le set de tampons Hôtesse Calme de Camélia que vous pouvez apercevoir dans la brochure Celebration à la toute fin de cette brochure. Ça y est, on arrive déjà à la fin de la chasse au trésor. Bien. Je pense, mes chers amis, que je ne vais pas vous présenter toutes les créations qu'il me reste aujourd'hui, puisque je pense que vous allez en avoir marre à un moment donné. Je vais donc vous en présenter encore quelques-unes. Et puis, je vais en garder pour les prochaines portes ouvertes à venir, et puis pour les prochains lives aussi. Puisque sachez en tout cas qu'il y a des projets que je vous ai présentés ou que je vais vous présenter qui seront aussi disponibles à la création, donc au cours de mes lives créatifs du mercredi après-midi à 14h, d'accord? Et que vous pourrez aussi d'autres créations que vous pourrez découvrir dans mes publications, que ce soit sur ma page Facebook ou sur mon profil Instagram. Vous découvrirez tout ça au fur et à mesure. Mais je suis sûre que déjà, avec le petit panel de création que je vous ai proposé aujourd'hui, vous avez déjà pas mal d'idées, pas mal d'envies. Ou alors, vous avez confirmation que non, ce produit-là ne vous plaît pas, mais que celui-ci, oui, c'est vraiment votre coup de cœur. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Alors, on continue quand même un petit peu, hein, parce que j'ai pas envie de vous abandonner tout de suite, tout de suite. Alors, sur quoi est-ce que l'on va partir? Ah, les petites loutres, on ne les a pas vues encore. Là, c'est pareil, j'ai fait quelque chose de très, 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 très simple, mais vous pourrez aussi vous amuser avec beauté marbrée, par exemple, avec des poinçons diorama aussi qui font un petit peu genre une mare. Vraiment plein de choses à faire. Hein.
J'aurais pu en faire des dizaines des cartes avec ça, mais j'étais obligée de me restreindre un petit peu, parce que sinon, j'y passerais jour et nuit. Les petites loutres. Brochure Celebration, offert dès 60 euros d'achat. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est pareil, hein. Ça fait penser un petit peu aux ânes qu'on a eues l'année dernière, par exemple, ou aux moutons aussi qu'on a eus. C'est pareil, il y a vraiment de quoi vraiment bien s'amuser avec ces petites loutres. Et là, j'ai fait quelque chose de très très simple, une petite technique de masquage. Donc, une petite carte en 10 par 10, tout simplement. J'ai donc découpé un... Attendez. Hop, je vais vous montrer, ça va être plus simple. J'ai fait une découpe de rond, voilà, que j'ai positionné. J'ai colorisé donc ce rond avec la brosse à estompe. Mais avant cela, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné donc ma petite loutre sur un post-it que j'ai découpé. Ok, ensuite j'ai positionné mon masque ici, voilà, à peu près. Hop, je suis venue poser ma petite loutre, j'ai colorisé à la brosse à estompe, voilà. Ensuite, j'ai retiré mon masquage ici, j'ai retiré celui-ci et je suis venue ensuite coloriser ma petite loutre avec des blends. Voilà. Ah ben non, Laurence, enfin c'est quoi cette question? Est-ce que les questions 6 et 9, les réponses sont dans le midi, mini, ou elles doivent sortir de notre imagination? Mais tu es une petite coquine, toi. Non, non, non. Ce n'est pas du tout dans ton imagination. Il faut chercher ça dans le mini catalogue. Mais quelle coquine, celle-là. Je te jure. Donc voilà, une petite carte toute simple, mais voilà, avec les brosses à estompes, le masquage, plein de petites techniques. Bon après-midi, Muriel, merci d'avoir été là, ma belle. Ouais, ça te fait rire. Et oui, Mumu, tout est dans le mini. Donc voilà, et puis là, même principe, sauf que là, vraiment du très très basique. Là où j'ai fait un petit peu plus léger, ici on est sur pierre rose polie, ici fraisier en fleurs. Même principe, celle-là encore plus simple, mais toujours avec la même technique de masquage. Donc ça vous permet aussi de démarrer quelque chose de très simple, quel que soit votre niveau, avec pas beaucoup de matériel, un post-it, un tampon, pouf, un petit peu de colorisation, et on a la possibilité de faire une carte très sympa, mais aussi très simple. Donc surtout, pas de pression pour celles et ceux qui débutent. N'ayez pas peur, vous avez la possibilité de faire des super créations avec pas grand-chose. Donc ça, c'était nos petites loutres. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Allez, pour finir, je vais vous présenter la collection des tulipes. Allez, c'est parti. Je vous montre ça. Ouf, j'ai mon bras qui se réveille. Alors, hop, je prends tout ça, je prends tout ça. Le papier design, déjà, dans un premier temps. Bon, il est vraiment très beau. Ça vous plaît? Excusez-moi, j'ai eu un bug pendant 30 secondes. Je sais pas pourquoi j'étais partie. Donc, le papier design, champ en fleurs, donc plein de tulipes, très chargé, mais du coup qui permet de faire des créations aussi très simples. Et je pense notamment à mes débutantes qui ont du mal en fait à démarrer. Là, vraiment, ce papier-là permet de faire des créations rapides, simples, mais qui tout de suite tape dans l'œil. Donc vraiment, voilà, je suis sûre qu'elle va plaire à beaucoup d'entre vous. Donc, le papier en format 30-30, bien sûr, vous le savez, nous avons des poinçons et des tampons. Ce papier me fait penser un peu à celui des Beaux-Arts de l'an dernier. Oui, un petit peu, effectivement, c'est vrai. Sauf que là, on a quand même plus de fleurs qui sont plus marquées. Donc ça, c'est donc, hop, le papier design, je vais vous le laisser là. Voilà. Ici, pour les couleurs à peu près, je vous indique Calico Coquelicot, Pétale Rose, Tarte au Potiron, Riche Raisin, Piscine Party, Horizon de Bruyère. Pour ce qui est...
Voilà, je vais mettre là pour que vous ayez tout dans le champ de vision. Normalement, c'est bon. Alors, ici, je vous ai mis les tamponnages des fleurs uniquement, mais il y a aussi, bien sûr, des sentiments qui sont aussi beaux les uns que les autres. On a le sentiment rond, un grand merci. Bonne fête des mères. C'est très fréquent avec les tulipes, hein, la fête des mères, mais bon, ça va avec la saison, c'est logique. Personne ne mérite une plus belle fête que toi. Je t'aime tant, juste pour te dire bonjour et que ce jour marque le début d'un merveilleux avenir. Donc vraiment des sentiments qui sont vraiment très très jolis. Et donc, hop, voici comment se présentent les poinçons et les tampons. Donc c'est aussi pour cela, si vous voulez que je vous ai indiqué ici, vous voyez le montage des fameuses tulipes. Alors, pour celles et ceux, j'essaye de cadrer, voilà, pour celles et ceux qui commanderaient ce lot de tampons et de poinçons. Si vous m'envoyez un mail pour me dire Harmonie, j'ai commandé ce lot de poinçons, je vous offre cette présentation là en format PDF du coup pour que vous puissiez avoir le guide de montage des tulipes. Je sais qu'il y en a à qui ça peut rendre service, que ça peut aider. Donc voilà, si vous commandez le lot, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un petit message, un petit mail et je vous enverrai donc gratuitement bien sûr le PDF de ce petit montage pour vous guider pour vos créations. Allez, je vous montre les petites cartes que j'ai faites avec cette collection. Donc d'abord quelque chose de très simple. Donc ça c'est le verso d'un des papiers. Vous voyez, c'est celui-ci. Ce zoom m'agace. Là, donc j'ai pris le verso de ce papier là, voilà, et j'ai fait du tamponnage tout simplement basique de ces belles tulipes en restant vraiment dans le ton de piscine party auquel j'ai associé riche raisin et épinette enivrante également. Donc vraiment tout simple, hein, tout doux, mais vraiment ça suffit à lui-même. Hein. Hop. Et du coup, ce sentiment, il vient d'un set de tampons sable que je vais vous montrer tout de suite. Un set de tampons sentiment encore. Lui, il est disponible dès 120 € d'achat. Donc, il est là. Je te trouve incroyable. Et là, pareil, on a tout un tas de sentiments incroyables. Hyper pratique pour la carterie, encore une fois. Vraiment, je suis fan de tous ces sets de tampons sentiments qui sont vraiment très pratiques et qui s'adaptent à tout un tas d'occasions. Donc voilà, donc celui-là, gratuit, des 120 € d'achat. Ça vaut le coup parce que du coup, ça peut être utile pour plein de créations et plein de cartes. La seconde, inspirée très très largement du catalogue, vous la verrez, du papier vélin à l'arrière, découpé avec les poinçons rectangles. Le Bonne Fête des Mères, une petite ficelle noire et blanche que vous trouverez aussi au catalogue, et puis tout simplement le papier uni, papier design, pardon, que vous trouvez ici. Voilà, je suis restée sur les deux mêmes, le recto et le verso, et donc le montage de ces fameuses tulipes, voilà, avec leur feuillage, etc. Vraiment, alors c'est tout simple, hein, on est d'accord, vraiment tout simple. Mais voilà, ça donne quelque chose de très joli. Et du coup, il y a tout un tas de possibilités, bien sûr, même de couleurs. Là, n'hésitez pas. Et pour la dernière création avec cette collection, là, on est parti sur du violet. Donc, grappe gourmande, horizon de bruyère. Voilà, donc pareil, tamponnage ici avec le fraisier en fleurs en deux générations. Voilà, ouvert comme ceci. Personne ne mérite une plus belle fête que toi. Et hop, oula, voilà,
à l'arrière pour mettre le petit message. Je m'étais mis un petit post-it pour vous dire que cette carte ferait l'objet du live du 26 janvier. Notez la date si vous avez envie de réaliser à votre tour cette jolie carte. Hop, très simple mais très jolie, j'aime beaucoup. Ah, merci Fabienne. Oui Elsa, alors attends, je dois vous emmener ma mère absolument faire des cupcakes. Oui, bien sûr. Avec grand plaisir Elsa. Plein de gros bisous à toi et bon cupcake. Donc voilà pour ces collections, cette collection des tulipes. Encore une fois, voilà, vous avez un petit panel de choses possiblement faisables, quel que soit votre niveau. Vraiment, vous avez de quoi vous amuser. Il me reste encore tellement de choses à vous montrer, mais du coup, je pense que... je vais vous laisser tranquille pour ce moment. je pense que déjà vous en avez vu plein, que vous en avez plein les yeux, plein la tête. Et puis j'ai envie de garder un petit peu de magie pour la suite. Un petit peu de plaisir, que vous ne soyez pas lassés, puisque déjà 2 heures de live à découvrir plein de produits, plein de projets. Je pense que vous avez constaté que je n'ai pas uniquement travaillé les grandes collections, c'est un choix volontaire de ma part. Il y avait vraiment des petites pépites dans ce mini catalogue que j'avais vraiment envie de vous montrer, de vous faire découvrir. Ça me paraissait tout aussi intéressant que de se focaliser sur les grandes collections. Je vais quand même vous montrer 2 ou 3 petites choses pour finir. Le lot de vol d'hirondelles qui est vraiment très joli. Donc pas mal de montage aussi, il faut un petit peu de patience, mais il y a vraiment de quoi faire quelque chose de très beau. Voilà, notamment celle-ci par exemple. Donc le papier blanc est embossé avec... une classeur de gaufrage à l'arrière. Voilà. Donc voilà une idée de ce que vous pouvez réaliser avec toutes ces découpes. Et puis là, ici, la découpe contour avec l'hirondelle. Et vous constaterez qu'à l'arrière, j'ai utilisé donc le set de tampons dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont j'ai déjà avalé le nom. J'en ai vu tellement là que du coup, celui qui ressemble à Very Versailles. Voilà. Bon, quelque chose de vraiment très simple. Il y a pas mal de choses comme des animaux, des oiseaux, des fleurs. Vous remarquerez aussi, faites bien attention, on a un petit hérisson qui est trop choupinou avec la perforatrice qui est coordonnée. Regardez. Donc là, vous avez la possibilité de découper le petit hérisson et la perfo. Ça aussi, c'est trop cool. Et du coup... Voilà, hop, la carte que je vous propose avec. C'est pareil, ça fera l'objet d'un live. Celui-ci aussi, vous voyez, il est trop mignon. Il est vraiment trop cute, ce petit hérisson là. Trop choupinou. Et puis le papier ici, c'est justement le papier champ de fleurs qui est offert pendant la celebration des 60 euros lui aussi. Voilà, donc vous voyez, on peut tout combiner, on peut s'arranger de tout, on peut... Qu'est-ce que j'aime mon métier, si vous saviez. Qu'est-ce que j'aime ça. Quel bonheur ça procure de faire plein de créations et puis d'avoir toujours envie d'en faire plus encore. Voilà, il m'en reste encore plein, mais vraiment, je vais vous laisser tranquille. Je vais vous laisser assimiler toutes ces infos parce que ça pourrait durer encore des heures, hein, je vous assure. Je vais vous retrouver ici. Voilà, je voulais vous revoir quand même de plus près. Merci Marcel, c'est trop gentil. Voilà, donc on arrive hein, à la fin de ces premières portes ouvertes virtuelles. Ce choix de ne pas tout vous montrer d'un seul coup, je vous assure, est vraiment volontaire. Je ne veux pas vous asséner toute la journée avec ça, des heures et des heures et des heures. Et puis bien sûr, moi je suis à votre disposition si vous avez besoin d'inspiration, si vous avez des questions, des hésitations, bien sûr je suis là pour ça, c'est mon métier et c'est mon plaisir aussi de partager avec vous. Donc surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, quel que soit le sujet, bien sûr. Du coup j'attends aussi vos réponses
aux questions de la chasse au trésor. J'espère vraiment recevoir plein 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 de mails pour faire gagner l'un ou l'une d'entre vous. Donc calme de camélia. Les mini kits. Ah, tu veux dire les échantillons, ma belle? Oui, Cécilia. Donc, les inscriptions sont toujours possibles pour les échantillons de papier jusqu'à samedi. Et je clôt tout, je passe la commande lundi. Donc, il faut que les inscriptions et les règlements soient arrivés d'ici samedi. Pensez-y. Et puis, voilà, vous avez, je vous le rappelle, tous les liens dont vous pourriez avoir besoin sur ma page, sur Facebook, là, en haut de la vidéo, sur YouTube, en bas, dans la barre d'infos. Pensez bien à les regarder. Je vous attends. Venez intégrer mon équipe. J'ai hâte de vous y accueillir. Continuez à feuilleter votre mini-catalogue et votre brochure Celebration. À celles qui l'ont reçue, vous avez votre wishlist, votre liste de souhaits que je vous ai glissée dans votre catalogue. Donc n'hésitez pas à la compléter, à la modifier, à la photocopier. Bref, faites-vous plaisir. Je suis là pour répondre à vos questions. Sur la vidéo, là, vous avez le code hôtesse qui s'affiche si vous avez besoin. Et voilà, je pense que j'ai tout dit, que je n'ai rien oublié. J'espère du fond du cœur que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas surtout à me contacter si vous avez des questions ou si vous voulez me faire part de votre retour quant à ces portes ouvertes virtuelles. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre avis, votre ressenti. Ça, c'est toujours agréable et nécessaire pour pouvoir avancer. Voilà, je suis à votre disposition. Je suis là pour ça. J'aime ça. C'est mon métier que j'ai choisi partager avec vous. N'hésitez pas. Voilà. En attendant, je vous souhaite à nouveau une excellente année 2022. Surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et moi, je vous embrasse très très fort et je vous donne rendez-vous dans un premier temps samedi pour la découverte qui n'est plus une découverte du projet du prochain live. Et donc, rendez-vous mercredi prochain à 14h pour notre premier live créatif de l'année 2022 qui sera donc la carte pop-up que vous avez découverte en début de Portes Ouvertes. Voilà, je vous embrasse très très fort et merci d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!